Shepard s'est très bien débrouillé, mieux que nous n'aurions pu l'espérer. La citadelle est sauvée. Le Conseil est mort. Jamais l'humanité n'a été aussi forte. Et pourtant, c'est insuffisant. Les humains contrôlent le Conseil, mais Shepard reste notre meilleur espoir. Mais il l'envoie combattre les Geths. Les Geths! Les Geths ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive! Alors, j'espère bien quand même. Je ne vais pas faire ça pour qu'il retrouve son cadavre congelé. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus, je pars pas. C'était donné un ordre, voyons. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopé de Joker. Tout le monde l'attend. Go, go, go!
Elle va disparaître dans l'espace. Ah bah je veux pas mettre dans l'espace hein. Les touches, je peux les refaire ou pas? Attends. Utiliser pour la barre d'espace. Ah, c'est chaud, barre d'espace. Mayday, Mayday, Mayday! Ici le SSV Normandie. Ok, d'accord. Ça se commence bien. Comment se réveiller? Avons subi de gros dégâts. Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. C'est le passage à Starkomen. Je suis Buzz l'éclair. Buzz l'éclair à Starkomen. Joker, vite. Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Bah, des conneries, bordel. Et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Je suis vivant. Qu'est-ce donc cette super série?
Ah oui, je suis buzz super. C'est quoi, je vais voir. On va voir un peu. La merde là. Je vais faire de la merde, c'est quoi ça? Ah ouais, si je le prends comme ça, c'est ok, d'accord. Genre, il n'y a pas une tête normale, ils ont toutes des têtes cheloues, en fait. Toutes des têtes bizarres. Ça aussi, c'est une tête bizarre en fait. Genre, il peut pas avoir un nez normal en fait. Non, il peut pas avoir un nez. Ok. Au pire, c'est pas grave, on prend l'apparence par défaut. Heures pour faire un perso, quoi. Pas l'habitude. C'est pas normal. Il réagit au stimuli extérieur. Il a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda. Je crois qu'il se réveille. Wilson, il n'est pas encore prêt. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Les stats sont en rouge, ça ne fonctionne pas.
fonctionne pas. Encore une dose, vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli perdre. Vous avez dit que vos destinations étaient erronées. Refaites le calcul. Pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. Attention à l'explosion. Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous. Oh non, et ben. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Ah ouais, il s'est tapé au tir avec un. Alors que je me réhabitue, c'est espace pour courir. Shepard, des mechas convergent sur votre poteau, n'est pas de risque. Restez à couvert pour abattre ces mechas. Oh, oh, je me cache où? Y'a pas un point de secours là? Beau travail, Shepard. Ma belle. D'autres renforts se dirigent vers vous. Et voilà les mécas. Utilisez le. On s'est fait repérer. Vous êtes tout sûr, hein? Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Elle lance patatos. Les collègues. C'est ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ou ce que je fais ici, mais j'ai la tête comme une pastèque, alors soyez gentil. Expliquez-moi un peu ce qui se passe. C'est pas des réponses, bordel. Bon sang, c'est vrai. Tout ça, c'est nouveau pour vous. J'avais oublié, désolé. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis. Moi, c'est Buzz l'éclair.
Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. C'est quoi le problème avec les mécas? Ce sont des mécas de sécurité. En général, ils sont de notre côté. Quelqu'un a dû les pirater. Mais normalement, c'est impossible. Le système est protégé. Je vais vous faire sortir d'ici, Shepard. Oh. N'arrête pas de me donner des ordres depuis mon réveil. Je veux des réponses. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque. Et vous êtes mort. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclaré mort au combat. Toute la galaxie vous croit mort. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants. Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mécas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. J'engage. C'est celle-là. Oh, non, rien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre le bordel, c'est ça. Tout dépend de la position des mécas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mécas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson, je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. Mais qu'est-ce qui me veut, c'est Jean-Bernard, là? C'est quoi ce bordel? Moi, je me réveille ici, c'est la guerre, mais c'est quoi ce bordel, putain? Cette pierre grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Wilson, trouvez-nous une autre voie. De préférence une... Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont à contrôler. Ça m'est bien, copain, on s'en va. Ici, ça pue bien. Bien, copain. Copain, laisse Wilson où il est, bien copain, on s'en va, c'est la canière ici, copain. C'est ça, ça. Non, on va départ là. Shepard, pas ici. T'es qui, toi? Ces salopards m'ont touché à la jambe. On se casse. Partir d'ici au plus vite. Eh bien, copain, nous on s'en va. Avec ma jambe dans cet état. Il devrait y avoir du médigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du médigel dans la salle des premiers soins. Hé, copain, attends, je vais te sauver. Comment je fais? Wilson est blessé, il a besoin d'aide. Oui, oui, bah oui, 2 secondes, je suis pas médecin non plus, mec. Voilà. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mécas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mécas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Non, moi je m'en fous, je vous connais pour pas. Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mécas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mécas pour arrêter Miranda. Non.
Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. On verra bien. Je la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais saboté. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge sur les concombres. Est-ce qu'il est en train de jouer au moins? Ouais, effectivement, il est en train. On se tire d'ici. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. Je connais pas. C'est censé me dire quelque chose? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus. En fait, je suis con de base. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche. Mais les temps changent. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est lui qui tire les ficelles? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Ben, partons. Visiblement, je n'en saurais pas plus pour l'instant. Avançons. Le mec il s'en fout complètement. Je m'en fous complètement de vos explications, les gars. Qu'est-ce que c'est là? Ah merde, 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 c'est merde. Ah putain. C'est quoi ensuite? C'est quoi ensuite? Ensuite. Je l'ai pas, il est là. Félicitations, vous venez de gagner 900 crédits. On s'est fait repérer. Je crois que je me fais... Ah non, non, pas maintenant, pas maintenant, non, 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 non. Maintenant les... Oh, c'est une soupe de faire ça. Allez, vas-y, non, bah ça c'est mort. Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites?
mon travail. Wilson était un traître. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable ? Plus maintenant. Je savais qu'il manquait. Je sentais bien que Wilson attendait la première occasion pour me tirer une balle dans le dos. Vous êtes perceptif. Certains sont beaucoup trop crédules pour sentir ce genre de choses. Allez, on embarque et on fiche le camp d'ici. Mon chef veut vous parler. Donnez-moi si vous avez confiance au copain. Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob, j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant ? Et le reste des habitants de cette station ? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque ? À part essayer de vous sauver la vie ? Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu. Sans doute un peu trop tôt, de l'avis de Wilson. Où est-ce qu'on va ? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. Ah, mais on va y aller finalement. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi ? On va faire ça maintenant ? Oui, maintenant. Normalement, les tests devraient durer plusieurs semaines, mais étant donné les conditions, quelques questions suffiront. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre. Pas de parents, vous avez grandi dans la rue. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez connu vos premiers combats, notamment sur Torfan. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah oui, je me souviens de tout, voyons. Presque tous mes hommes sont morts. Après ça, on m'appelait le boucher de Torfan. Le boucher de Torfan. C'est tout ce qui compte. J'espère de la saucisse de la merguez. Hein. Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné ? C'était ça ou mourir. Ah, je suis méchant. Un soldat doit être prêt à mourir. Quand on donne un ordre, on ne peut pas faire du sentiment. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter sa reine. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test suivant. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ah, pas mal. Bah, je vais apprendre ça, mais bon. Pas de casque. Ouais.
toutes les couleurs de Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, Star Command. Ah ouais, je suis badass comme ça. Je suis Buzz l'éclair. Attends, je vais parler. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on au juste ? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'un homme, bien spécifique, risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous ? Ah, pas mal. J'ai remarqué quelques améliorations. J'espère que vous n'avez rien remplacé de vraiment important. Nous avons veillé à vous garder aussi intact que possible. C'est du Shepard qui a vaincu Sovereign que j'ai besoin. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance est dépassée par la charge que vous lui avez confiée. Elle a trop à faire au niveau diplomatique pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines ? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines ? Pourquoi l'humanité ? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Un porte-flingue. Vous attendez à ce que je leur fasse confiance ? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être ? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez.
Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Ok. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Qu'y a-t-il, Lawson? Vous avez peur de ne plus être le chouchou du prof? J'ai prouvé ma valeur à l'homme trouble. Espérons que vous pourrez faire de même. Pour quelqu'un qui a passé 2 ans à me reconstituer, vous n'avez pas l'air de me porter dans votre cœur. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Je viens d'accepter de coopérer avec lui, mais je lui fais pas confiance pour autant. Vous avez confiance en moi, commandant? Non. Vous faites partie de Cerberus. Je vais vous avoir à l'œil aussi. Logique. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me fassiez confiance parce que je vous le demande. Il va falloir que je fasse mes preuves. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Jamais entendu parler. C'est le bâtard ou quoi? Initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi avez-vous rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la Citadelle. Une fois que le Conseil aurait été remplacé avec l'humanité aux commandes. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie, tout ça s'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va et on voit sur place. Bien. Je vous engage. C'est tout pour l'instant. Oui, chef.